Bonjour, moi c'est Fabrice Pardon. J'habite sur la commune de Saint-Léger-sous-la-Bussière, dans le sud de la Saône-et-Loire. J'élève des princes de Bourgogne sur mon exploitation depuis 1 an et demi. La particularité du prince de Bourgogne, c'est sa durée d'élevage, 94 jours. qui lui laisse le temps de grandir et de s'épanouir. C'est ce qui lui fait sa qualité de viande. Les vraies valeurs au niveau de l'élevage, c'est la qualité de ce qu'on fait et la traçabilité. Son alimentation, de la céréale en grande partie, issue de la région Bourgogne. C'est une volonté pour rester local. Le prince de Bourgogne est issu du croisement d'une poule noire cousue et d'un poulet blanc à pattes bleues. La poule apporte du goût à la viande et le poulet, lui, apporte de la finesse et de la tendreté. C'est un poulet qui a du caractère, qui reste authentique et qui a une rusticité. J'aime bien voir mon poulet sortir le matin, qui se dépêche de courir pour aller dans le pré. Il a tous les atouts du bien-être animal. Il est tout le temps dehors, en plein air, pour que le consommateur soit satisfait de retrouver un poulet fermier, quoi. Depuis tout petit, c'était une passion. La transmission s'est faite de génération en génération. Je suis content d'avoir repris l'exploitation. C'est une fierté de continuer ce que mon père a fait, de savoir qu'on propose aux gens une qualité de viande irréprochable. Maintenant, c'est à mon tour. J'aime bien que mes enfants aussi viennent voir sur l'exploitation, leur transmettre des vraies valeurs, des valeurs du terrain, des valeurs humaines. Le poulet prince de Bourgogne a eu facilité à décrocher une médaille d'or. Au premier salon qu'il fait, il décroche une médaille. C'est le meilleur poulet du monde.